Les jeunes sont les plus touchés par le chômage en Côte d'Ivoire. Plus de 12% des chômeurs ont entre 14 et 35 ans, selon une étude réalisée en 2012 par l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Des actions sont donc menées par le gouvernement pour réduire ce taux en favorisant l'entrepreneuriat. Il y a la politique nationale de l'emploi qui a été adoptée en 2012. Il y a aussi la stratégie de relance de l'emploi qui a été adoptée en Conseil des ministres le 26 novembre 2013. Et c'est à partir des initiatives que l'État est en train de mener que nous allons communiquer. Dans le cadre de ces activités en faveur de la jeunesse, la mairie de Port-Boué a initié une rencontre d'échange sur l'auto-emploi. Sensibiliser les jeunes à l'auto-emploi est une nécessité, c'est important pour que les jeunes puissent entreprendre. Une rencontre qui a enregistré une forte participation des jeunes. Je suis venue à cette conférence pour avoir plus d'informations pour, après ma formation, qu'est-ce que je dois faire si je ne suis pas employée, prise en charge par l'État. Pas forcément compter sur le domaine public et pouvoir créer nous-mêmes notre entreprise. L'auto-emploi des jeunes passe par l'entrepreneuriat, une alternative pour leur permettre de se prendre en charge.